Jean-Baptiste ! Déjà ? Mais qu'y a-t-il ? Mon père m'appelle, je dois partir. Si vous préférez votre père à moi ? Bien sûr que non, mais vous savez très bien que je dois être aux côtés de mon père pour l'achat de terre. Je sais, Jean-Baptiste. Si vous aviez été plus bref avec les préliminaires. Une heure, j'ai failli rester coincée. Ah oui, moquez-vous ? Jean-Baptiste ! Oui ! J'arrive. Je vous laisse. Nous rattraperons le retard la prochaine fois. Mais quand ça ? Bah, la prochaine fois. Là, oui. Le comte Dumontier nous attend avec le notaire. Alors, ne perdons pas de temps. Tu sais que l'acquisition des terres de Dumontier est capitale pour nous. Cet avare tentera d'obtenir le maximum, mais laisse-moi négocier et contente-toi de signer leurs papiers, tu as compris ? Oui, père. Parfait. Nous pouvons donc commencer. Nous sommes réunis ce jour pour la vente des terres de monsieur le comte Dumontier à monsieur le duc de Launay. Et monsieur son fils, le marquis de Launay. À vous, messieurs, de vous entendre sur le prix. Je vous écoute, mon cher. 100 000 écus. Non, mon cher. Écoutez, monsieur le comte, nous avons longuement discuté, mon fils et moi. 100 000 écus nous paraît une somme raisonnable. N'est-ce pas, Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste. Raisonnable. Oui, père. Raisonnable. Pour vous ? Non, pour moi, messieurs. Ah ! Oh, je suis désolé, messieurs, il m'a échappé. Ah, bah ça, c'est fâcheux. Reste ici, je vais appeler Marie. Non, laissez, père. Je vais me soigner, je reviens. Jean-Baptiste ! Tu sais que nous avons revenu. Tu dois absolument signer. Alors, reste ici, c'est un ordre. Ma vie est en jeu, père. Non, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Excusez-le. Cet empressement, monsieur le marquis. Vous avez quelque chose contre l'empressement ? Excusez-moi, Marie, je vois que vous êtes occupée, mais j'ai perdu mon panier à broderie. Il est à la lingerie. Ah, à mon âge, ces petits plaisirs sont hélas les seuls qui me restent. Hélas. Depuis ma chute dans l'escalier, je dois me ménager. Pourriez-vous me le rapporter, Marie ? Bien sûr, madame. C'est très gentil. La prochaine fois. Dans l'escalier, ma tante. Non, pourquoi dis-tu ça ? Mais... Tu travailles trop, mon pauvre Jean-Baptiste. Tu devrais te reposer. Surveille la pintade, Louise. Louise. 115 000 écus ? Non. Cent 20 000 écus. Non. Mais que vous arrive-t-il, monsieur le marquis ? Pas de question, je vous prie. Ne m'appelez pas monsieur le marquis, ça m'agace. Alors comme ça, on veut jouer ? Monsieur le comte, nous sommes entre nous. Vos terres, vous le savez, ne valent pas plus de 130 000 écus. Je ne suis pas de cet avis, mon cher. Non. Rassurez-vous, monsieur Jean-Baptiste, ce sera... Oui, je sais, la prochaine fois. 155 000 écus. Je ne dois vraiment pas plus, monsieur le comte. Oui. Oh.
Enfin, j'ai ce qu'il me faut. Oui, vous avez de la chance. Oh, Marie. Ici, maintenant, tout de suite. Il ne manque que la signature de monsieur, votre fils. Bien sûr. Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste ? Je crois que votre père vous appelle, monsieur Jean-Baptiste. Oui, j'ai entendu. Bon, attendez. Et maintenant, un ou deux. Hein. Jean-Baptiste ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste ? Vous l'apportez tout de suite, Jean-Baptiste ? Permettez-moi de vous dire, mon cher, que je finis par douter de votre respectabilité. Que vous foutez ? Jean-Baptiste ! Il va pousser ta signature immédiatement ! Jean-Baptiste ! Viens signer tout de suite ! Jean-Baptiste ! Allez-vous enfin vous décider à nous dire ce qui se passe, monsieur le duc ? En tant que représentant de la loi, j'exige des explications ! Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Radames ! Non. Jean-Baptiste ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi criez-vous comme ça ? Alors vous, la vieille, allez coucher ! Marie, vous êtes indigne de cette maison. Je vous chasse ! Mais nous n'avons pas fini ! Elle n'est pas la seule à être indigne de cette maison. Votre comportement de débauché m'écœure, monsieur. Maître, les contrats, je vous prie. Je céderai mes terres à des hommes dignes de ce nom. Écœurant ! J'ai entendu. Messieurs, je vous en supplie, faites-le pour moi, pour la France. Moi, je suis égoïste. Oui ? Ah, c'est toi, Jean-Baptiste ? Oui. Thank you.